Vous voulez parler du projet Panchaya, l'initiative mondiale de lutte visant à soigner la planète. L'écosphère de la Terre est gravement atteinte. Un logiciel de dynamisation, de la neuroposine, autre chose, tout est sur l'ordinateur. Merci beaucoup, monsieur. Pitié, comme pauvre. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. La mort et la vie obéissent au destin. Comment? Oh, et les richesses et les honneurs dépendent du ciel. Très bien. Bon, et maintenant? Chut! Ils ont des yeux et des oreilles partout. Retrouvez-moi dehors.
Tournez à gauche depuis l'entrée et descendez l'escalier. Je vous attends au coin. Ici, venez vite. Je suis soulagé de voir qu'au moins vous êtes un pro. Eh ben comme ça, nous sommes deux. Oui, enfin, vous n'êtes pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je devais rencontrer une fille. Comment je peux savoir que vous n'êtes pas un imposteur ou un agent double? Tout ça pourrait aussi bien être un piège pour me coincer. Écoutez, ne le prenez pas mal, monsieur X, ou quel que soit votre nom. Mais je suis plutôt pressé. Alors donnez-moi ce que je suis venu chercher, et je repars tout de suite. Oui, oui, tout est là. Le rapport d'autopsie sur la mort d'Evelyn Carmichael. Tenez. Merci. J'espère que vous ferez bon usage de ces renseignements. Parce que les sens de la responsabilité et de la justice ne sont plus très à la mode, je crois. Ça me fait de la peine de voir que cette ville, autrefois sublime, ce bastion de la réforme et du progrès contre l'oppression communiste, tombe en ruine à cause de la bureaucratie des multinationales et de la corruption. Cette corruption si typique des gouvernements occidentaux. Si vous le dites. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Il y a encore la question de mon paiement. Nous avions convenu de 1000 crédits, je crois. C'est ça? Et qu'est-ce que vous disiez déjà sur la corruption? Un marché est un marché. Votre officier traitant a bien dû aborder ce petit détail avec vous. Non, mon officier traitant a omis de mentionner ce petit détail. Mais prenez votre argent. J'espère pour vous que ce rapport les vaut. Oh, je vous assure qu'il les vaut. Celui qui ne voulait pas que ce rapport tombe entre les mains des autorités a payé très cher pour qu'il disparaisse. Dommage que le règlement de l'Amplib interdise la destruction des enregistrements des procédures opérationnelles. C'est en cas de recours éventuel, voyez-vous. De recours, ouais. Content d'avoir fait affaire avec vous, X. Malik, je viens de consulter le rapport d'autopsie. Ni drogue, ni alcool dans le sang d'Evelyn. Et l'heure estimée de sa mort ne correspond pas à la version de Lee. Elle est morte suite à une blessure fatale à la tête, que rien sur le lieu du crime ne peut expliquer. Je le savais.
ça pouvait pas être un accident. Il y a autre chose. Evelyne était enceinte. Malik ? Oui, je suis là. On peut pas le laisser s'en tirer, Jensen. C'est lui le coupable, forcément. Tu peux aller à son appartement ? Pour faire quoi ? Trouver des preuves, n'importe quoi. Je t'envoie l'adresse. Recontacte-moi quand tu seras. Accès autorisé. Malik, je suis dans l'appartement de Lee. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Merde. Ok, écoute. Lee est pas assez malin pour brouiller les pistes, alors fouille un peu. Tu trouveras peut-être quelque chose de suspect.
Accès autorisé. Malik, on dirait que Hong Père était très énervé par le comportement de Hong Fils et qu'il l'avait menacé de le déshériter s'il ne mettait pas le holà à ses frasques sexuelles. Apparemment, Evelyn n'était pas digne de leur famille. Et s'il savait qu'elle était enceinte ? Je peux pas le croire. Lee aurait fait ça juste pour l'argent. En parlant d'argent, la famille Hong a beaucoup investi à la fois dans Bell Tower et dans Amplib. Ça pourrait expliquer que l'affaire ait été étouffée et l'enquête bâclée. Je continue à chercher. Il doit y avoir autre chose. Hey, Lee, chérie. Il me tarde de te voir ce soir. Mais je suis coincée au boulot. Je sais. Désolée. Je me rattraperai, chérie, je te le promets. On se retrouve au Hive, d'accord? Mais ne commence pas sans moi. Ce soir, t'es rien qu'à moi. Le Hive? J'aurais dû penser qu'Eddie irait là-bas. C'est un peu sa deuxième maison. Attends une minute. T'as entendu? Désolée, Jensen. D'habitude, je respecte la vie privée des gens, mais c'est important. Et puis ça me donne une idée. Quand tu auras fini de fouiller l'appartement de Lee, va au Hive. Recontacte-moi quand il sera. Je vais rester encore un peu. Je suis sûr que je peux dénicher autre chose. Malik, je crois que je tiens l'arme du crime. Une pendule cassée. Ses aiguilles sont coincées sur l'heure approximative de la mort d'Evelyn. Coïncidence ? Ça paraît un peu gros. Tu crois pas ? Si Lee est aussi stupide que tu le dis, ça peut être ça. Il faut l'analyser en labo pour le confirmer. Mais c'est ce qu'on appelle une preuve matérielle. Je fais un dernier passage pour être sûr de n'avoir rien oublié. Malik, j'ai trouvé une batte de baseball. Mais elle a l'air propre, comme si elle avait été nettoyée récemment. Peut-être que Lee a effacé les traces de sang d'Evelyn. C'est ce que je pense. Mais je suis pas sûr que ça puisse causer le genre de blessure qu'on lui a infligée. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Je pars pour le Hive. Il faudrait la police scientifique pour trouver autre chose ici. D'accord.
Malik, je suis au Hive. C'est quoi ton plan? Trouve Lee et discute avec lui. Je veux que tu le convainques que tu sais ce qu'il a fait à Evelyn et pourquoi. Si tu peux le faire paniquer, je suis sûre qu'il se mettra à table. Fais comme si tu voulais le faire chanter. S'il accepte de te payer pour ton silence, il creuse sa propre tombe. J'écouterai et j'enregistrerai tout. Compris. Son épaule. Les recycleurs devaient lui avoir arraché son cyberbras. Oh, c'est affreux. On dit que le propriétaire de cet endroit a des liens, vous savez, avec les triades. La contrebande est bien pillée. On dit que le Hive sert les meilleurs cocktails de la ville basse. C'est pas étonnant, quand on sait qui tient l'endroit. Qu'est-ce que tu veux, l'amplifier? C'est vous, Lee Hong? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'il demande? Je voudrais vous parler d'Evelyn Carmichael. Evelyn? Putain, fais chier! J'ai déjà dit à d'autres flics tout ce que je savais. Du calme. Je ne suis pas de la police. Je travaille à mon compte. Je suis spécialisé dans les cas comme le vôtre. Si t'es pas un flic, qu'est-ce que tu me veux? J'ai une proposition à vous faire. J'ai la preuve que vous avez assassiné Evelyn. Et je veux 2,5 millions de crédits pour faire disparaître cette preuve. 2,5 millions? Connerie! T'as que dalle contre moi! Je paierai rien du tout! Je vous conseille de bien réfléchir. Et moi, je te conseille d'arrêter de me faire chier. Parce qu'à moins que tu me la montres, ta preuve, j'ai rien à te dire. D'accord. Commençons par le rapport de police. Je sais que votre version ne correspond pas avec les relevés sur le lieu du crime. Ah ouais? D'où tu sors ça? Le rapport de police révèle que la tache de sang ne correspond pas à une chute. Ce qui veut dire que la blessure qui a été fatale à Evelyn a été causée avant la chute. Ouais, et alors? Ça prouve toujours rien? Non seulement les éléments du dossier ne collent pas, mais votre témoignage non plus. Puisque vous avez menti sur la façon dont Evelyn est tombée. Vous avez déclaré qu'Evelyn était notoirement maladroite et que c'était juste un banal accident. Là, c'est sûr, tu dis que des conneries. Alors, si les éléments ne collent pas et que vous avez menti en livrant votre version des faits, comment est-ce qu'Evelyn est morte ce soir-là? C'est simple. Vous l'avez tuée. Mais comment? En la frappant sur le crâne avec cette vieille pendule que vous gardiez en vue dans votre appartement. Les coupures sur sa tête, l'hémorragie interne, ça colle parfaitement. Dans mon appartement? Mais putain, comment tu sais ce qu'il y a dans mon appart? Et comme pour tout crime passionnel, il faut chercher le mobile. Quelque chose qui déclenche l'accès de violence. Ce qu'Evelyn a pu dire ou faire pour vous faire sortir de vos gonds. Elle vous a dit qu'elle était enceinte, et vous avez paniqué. À l'idée de devoir renoncer à votre vie facile, vous l'avez frappée de colère. Ah, mais... c'est impossible. Et la dernière pièce du puzzle. Pourquoi le meurtre n'a jamais été envisagé dans l'enquête sur la mort d'Evelyn?
parce que vous venez d'une des familles les plus influentes et les plus riches de Shanghai, et qu'elle vous a couvert. Mais de qui a-t-elle acheté le silence ? Templib. Les dons importants de votre famille à Amplib ont suffi à faire que le rapport d'autopsie d'Evelyn ne sorte jamais au grand jour, et que sa mort soit passée par les pertes et profits d'un système judiciaire à la dérive. J'emmerde ces conneries ! Et je t'emmerde ! Je peux vous aider, mais il y a un prix à payer. D'accord, merde ! Putain, je paierai, mec ! Je paierai ce qu'il faudra ! De quoi t'as besoin ? De tous les détails. De savoir ce qui s'est vraiment passé. Et puis je me débrouillerai. Je sais pas, Evelyn, cette grosse conne, elle allait mourir. Je voulais pas la tuer, ok ? Mais elle voulait pas la fermer, sur nous, sur le bébé. Alors je l'ai frappée. Je voulais juste qu'elle ferme sa gueule. Mais cette salope a pété les plombs. Alors je l'ai encore frappée, jusqu'à ce qu'elle arrête de hurler. Et puis, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai paniqué. Elle respirait presque plus. Alors, je l'ai portée dans les escaliers, près de mon appartement, et je l'ai jetée dans le vide. J'ai voulu faire croire que c'était un accident. J'avais pas le choix. Elle me tenait. Elle en voulait à mon argent. Elle m'aurait ruiné. Je dois y aller. Je vous recontacte bientôt. Hein, quoi ? Et les preuves ? Et l'argent ? Vous allez où comme ça ? Au revoir, Lee. Malik, dis-moi que t'as tout enregistré. Oh mon Dieu, Jensen. J'aimerais pouvoir t'embrasser, là. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à lui faire tout avouer aussi facilement. Pour être honnête, ça a été plus facile que je le croyais. Tu avais vu juste sur lui. C'est vraiment pas une lumière. Ne repose pas sur tes lauriers. Avant d'envoyer ses aveux à tous les médias et à la police, je veux que justice soit faite, mais à la mode de Shanghai. Il y a un terminal relié au Hive que je voudrais que tu pirates. Je t'envoie l'adresse tout de suite. C'est bon, Malik. C'est piraté. Je vérifie le signal. Allez. Ça y est, j'y suis. J'ai de la chance, il y a des fréquences libres. J'envoie les données et... ça y est. Rejoins-moi devant le Hive, Jensen. J'ai une petite surprise pour notre ami Lee. Jensen. Malik. D'abord, prends ça. J'avais prévu de l'utiliser moi-même, mais après tout ce que tu as fait, je crois que tu l'as bien mérité. Bon, c'est quoi la suite ? J'ai quelques détails à régler et je veux m'assurer que ce rapport d'autopsie tombe entre de bonnes mains. Les Hong vont pas s'en sortir avec leur fric cette fois. Les aveux de Lee sont accablants.
Avec ça et le rapport d'autopsie, il ne pourra pas éviter d'être inculpé. Justice sera faite. Justice sera faite. Ça, oui. Tu veux patienter une seconde? J'ai préparé une petite surprise pour notre ami Lee. T'es devant le Hive? Le spectacle va commencer. 3, 2... Malik. Regarde. Je sais pas. Evelyn, cette grosse conne, elle allait me ruiner. Je voulais pas la tuer, ok? Mais elle voulait pas. Malik, rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Après tout ce que t'as fait aujourd'hui, pour Evelyn, pour moi, c'est pas près d'arriver. J'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai paniqué. Elle respirait presque plus. Alors, je l'ai portée dans les escaliers, près de mon appartement, et je l'ai jetée dans le vide. J'ai voulu faire croire que c'était un accident. J'avais pas le choix. Elle me tenait. Elle en voulait à mon argent. Elle m'aurait ruiné. Ni Tigger, c'est